Salut tout le monde, c'est Jacques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur Grenelle pour une nouvelle partie. Et là, on est sur ma partie Enfer Vert, les gars. Donc, difficulté au max. Ce qu'il fallait que je fasse sur cette partie-là, en fait, les gars, c'est aller chercher du fer. Il me faut du fer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre déjà bien en bouffe. On va manger directement. Bam, un truc comme ça. Voilà. Il va me manquer quelques petites bananes, un peu d'eau. Quelques petits trucs qu'on récupérera, je pense, sur la route. Là. Voilà. Parfait. Ici on a quoi? C'est vide. Et bien, on va te remplir. En plus il pleut donc ça tombe bien. J'ai de la viande, j'ai tout ce qu'il faut sur moi. En armes on est comment? On a tout ce qu'il faut aussi. Ouais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je voulais voir c'était. Attendez au niveau des pansements les gars. Bon au niveau des pansements on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. En poids on est bien. Bon bah écoutez. Donc bon ici les gars sur cette map là. Bah parfait. Sur cette map là en fait bah voilà y a pas de on trouve pas de trop de gamelles des trucs comme ça à manger. Enfin des canettes et des petits trucs on n'en trouve pas énormément. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de me rediriger vers le bateau, le premier bateau là où on avait récupéré des trucs. Pour peut-être que j'en avais oublié ou peut-être que j'en avais laissé, je sais plus trop. Et si on n'en trouve pas là-bas les gars, bah on ira sur la première map. On va pas se casser la tête, on va retourner au début. Pour voir bah, si on trouverait pas justement quelques petites boîtes de conserve. Je pense que c'est le plus rapide parce qu'aller fouiller toutes les grottes. Y a pas souvent. Je trouve pas souvent de métal. Donc si ça va plus être pour perdre du temps, je pense. Aller fouiller toutes les grottes. Autant que j'aille à un village. Ah, il y en avait un là. Je l'ai vu, mais au dernier moment. Ouais, je suis même pas où il est, tiens. Je l'ai vu, mais il est parti. Donc je pense ouais, il vaut mieux que j'aille à un village. Comme ça au moins je serai tranquille les gars. Par contre, c'est la saison des pluies, les gars, donc bon. On n'a pas trop de chance. Bon, lui, je l'avais fait. Ah, vous voyez, petite canette vide. Ça, je m'en doutais un petit peu. Que j'allais sûrement retrouver un peu partout. Là, ici, j'avais rien mangé, ici. J'avais rien laissé. Non, j'avais rien laissé, à part une petite canette, c'est tout. Ouais. Donc là, il y avait juste une petite canette. Ok. Allez, casse-toi de là. Casse-toi de là, mon gars. Donc, bah écoutez, les gars, on va se diriger. Je pense qu'on va se diriger bah, sur l'autre map. Hein. Comme je vous disais, on va se diriger directement sur l'autre map. Donc, on va reprendre. On va repasser par le. Attendez. C'était par où? Si, c'était par là, je crois. C'était par là, je crois. Même pas. C'était même pas par là, les nouveaux lieux. Bon bah écoutez, c'en est une que j'avais pas fait ça. Vous voyez tous les petits gisements là, bah, moi j'ai pas de chance, généralement ils sont vides. Donc comme je vous dis, hein, je vais pas me prendre la tête à faire tous les gisements. Autant que j'aille directement à la grotte, enfin au village. Moi je suis sûr là-bas que je vais en trouver. Donc tout ça on avait fait les gars. Je fais le ouf, hein, je cours un peu. Alors qu'il faudrait mieux pas que je cours là-dedans. On s'en fout. On s'en fout. Y a pas un petit champi là pour la fièvre? Non. Donc bon, on va allonger par là. Hein. De toute façon, c'est par là, les gars. Attendez, ce qu'on va faire, c'est que. Ouais, reste tranquille quand même. Ouais, je t'ai vu passer là-bas. Je t'ai vu. Bon, ok. Allez, si tu pouvais sortir de là, là, au lieu de rester coincé, ça m'arrangerait. Merci. Donc, attendez. Ok. On va prendre la petite map. Qui va bien. Non, on n'est pas ici. On est là. Et on doit... Et on est en... 41-38, 41... 38. Ok. Donc, faut qu'on aille... bah, nord-ouest. Hein. Ouais, faut vraiment que je monte nord-ouest. Donc c'est par là les gars. Allez, c'est parti pour le show. On y va. Ah, bah je crois déjà ça va commencer par un petit fight. Hein. Je sais pas, vous en pensez quoi les gars? Petit fight? Bon bah allez, c'est parti pour le show. Ah d'accord. Non, t'as pas envie. Ok. Reste tranquille.
Hop là, voilà. Ça c'est fait déjà. Tu vas où, tu vas où, toi, tu vas où? Arrête de courir comme un cinglé. Viens là. Il me l'a mise à travers l'arbre. Ah ouais, mais t'es un cinglé, toi. Ouais, t'inquiète, mais je sais qu'il y en a un autre qui traîne. Tu vas où, toi? Tu vas où, toi, espèce de fou, là? Merci. Ah non, toi, t'es encore là, toi. Oh, l'autre, il a shooté à travers le truc. Elle est passée où, ma... Non, mais ça va pas ou quoi? Ah, mais il y en a encore! Putain, ça bug, les gars! Ah, je suis mort! Ah, je suis mort! Je suis mort, les gars! Je suis mort, je suis mort! Ah, putain! Bon, bah voilà, les gars! Bon, bah voilà! Vous voyez, mais attendez, ils étaient combien, sérieusement? Ils étaient combien? C'est ça que je comprends pas, parce que j'en avais déjà 3. 3, 4, 5, ils étaient au moins 5. Le truc, c'est que... Ouais, non, j'aurais jamais eu le temps de... Il aurait fallu que je me barre. Ah, il aurait fallu que je me barre, carrément. Carrément. Eh ouais, parce que là, si je veux faire charger partie, vous êtes morts. J'aurais survécu, bah, 14 jours. 14 jours, les gars, de survie. Bon bah ouais, bon bah écoutez, hein, c'est comme ça, donc il va falloir s'en relancer une, hein. En enfer vert, survie en enfer vert, on va dégommer celle-là, et on va repartir hein, bah, pour des plus belles aventures les gars. Hein. Donc les gars, bon, on se retrouve sur bah, une nouvelle partie, hein, premier jour. Donc là, ok, par contre, non, il n'y a pas de carte. Mais j'ai entendu des trucs bizarres, donc attendez, hein, 2 petites secondes. Non, ça m'a l'air d'être bon. Ça m'a l'air d'être bon. Donc un petit peu dégoûté les gars d'être mort, mais bon. Bah écoutez, hein, c'est le jeu aussi. Hein. C'est le jeu. Donc bah écoutez, on va repartir hein, de plus belle. On va essayer de se refaire une petite partie en enfer vert. Hein. Comme vous avez vu, je suis reparti en enfer vert. Ça m'aurait fait plaisir de trouver des petits cailloux, des petits trucs ici. Juste, il faudrait que je me repère un peu. Je suis où là? Ok, d'accord. Ok. Donc attendez. Normalement, je devrais pas être loin du village. Ah là, il devrait peut-être y avoir des cailloux ici. On va s'arrêter ici. On va se prendre quelques petits bâtons. Déjà, pour commencer, là on voit qu'il y a des petits champignons. Vous savez très bien, moi, les petits champignons. Je les prends direct. Par contre, y a pas de cailloux, les gars, non? Vous voulez pas me donner de cailloux? Non, j'ai pas l'impression. Voilà, on va se prendre une petite banane comme ça, vite fait. S'il a des cailloux. C'est bon. On va s'en récolter un petit deuxième. Voilà, hop, hop, hop. On va se lancer direct dans la fabrication. Direct. Par contre, j'ai vu que d'où je venais, il y avait, voilà. On avait ça déjà à pas récupérer. Donc ouais, un petit peu dégoûté parce que bah là, je sais pas, il devait être pas mal hein, quand même. Hein, parce que il y en avait 3 au camp. Il y en avait 3 qui étaient sur le camp. Et il y en avait encore au moins 2-3 qui devaient traîner par là, là. Parce qu'ils étaient. Ils étaient quand même. Il y en avait quand même un bon paquet. Hein. Il y en avait quand même un bon paquet. Bon, c'est pas trop grave, hein, les gars, on va repartir. On va se refaire une petite séance tranquillement. Là, je sais pas. Je pense que le village il doit être par là. C'est ça. Le village est là. Nickel. Hop, on va prendre le petit piège, ça c'est parfait. On va arriver ici, normalement il y a des petits couteaux en os et des petits trucs qui doivent traîner.
Voilà. On va récupérer le charbon. On va récupérer quelques petits trucs, les gars. Voilà, ça c'est parfait. Fabriquer. Hop là, une petite lance. Ça, on va récupérer aussi. Là-bas, il y avait quoi? Là-bas, il y avait rien d'extraordinaire à récupérer, hein, je crois. Non, et là-bas, ça va nous faire partir au deuxième. Donc, au pire, je repasserai par là. Ouais, je repasserai par là. Non, toi, par contre, tu vas venir te mettre ici. Tac, tac, voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Là, on est plutôt bien déjà. On était bien dans l'autre partie aussi, hein. Mais bon. Ouais, il a fallu que je tombe sur quelques zigotos là qui m'ont fait bien mal. Qui m'ont fait bien mal. Donc là, j'ai de l'énergie, j'ai ce qu'il faut, les gars. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller direct se diriger au camp. Comment dire? Au camp cocaïne. On va aller directement au camp cocaïne, comme ça on va récupérer tout ce qu'il faut. C'est ça que j'avais pas, les gars. Ça, j'en avais pas. Merci monsieur. Là, je vais pouvoir me faire un stuff bambou. Enfin, un stuff bambou. Des lances en bambou. Parfait. Allez. Voilà. Et on va se faire un arc. Voilà mon petit pote. Là on est plutôt bien. Là on est plutôt bien. Et donc là on va pouvoir fouiller tranquillement. Essayer de récupérer un maximum de stuff. Voilà. D'accord. Moi y a rien dans les sacs. C'est un truc de ouf quand même. Donc le couteau, on en avait déjà. Ça. Petit jus d'orange, je prends direct. Ça, on s'en fout. Là, on s'en fout. Petit sachet de noix. Ça fait plutôt plaisir. Donc là, tout ce qu'il y a, je n'ai pas l'utilité. Non, non, non. Là, on peut ouvrir, mais voilà, juste ouvrir. Ça faisait rien. Ici. Normalement, il y a des médocs. Voilà, parfait. Parfait, les médocs. Et alors, les gars, c'est ici qu'on trouve, que je trouve, moi, mes lances. Mes flèches. Mes flèches tribales, vous voyez. Généralement. Sur les parties survie, les flèches tribales, elles sont là. Enfin, il y en a un peu partout. On en trouve quand même pas mal. Presque une dizaine. Donc faut juste bien fouiller, bien regarder où est-ce que vous marchez. Et généralement, vous les trouvez les flèches. Oui, j'en ai trouvé combien là? J'en ai trouvé au moins 5. Ben voilà, 5 flèches indigènes déjà, c'est ce qui est plutôt pas mal. Ça, pas besoin de se prendre la tête à les craft. Ouais, il y en a encore une sixième ici. Septième. 8, 9, ouais, les flèches, j'en ai quand même récupéré pas mal. Donc, tout ça là. Non, ça, c'est un caillou, j'en veux pas. Là, tout ça, il n'y a rien. Là, ici, on n'a rien non plus. Il n'y a rien pour moi. Pas de machette, pas de hachette, rien du tout. Avant de descendre, on va juste aller en face voir un petit peu ce qu'il y a. Rien d'extraordinaire. Donc là en bas. Ça, on va récupérer. La première map. Alors la cuillère, les gars, je sais toujours pas à quoi sert cette cuillère. Hein, si vous savez, bah, mettez-moi ça dans les commentaires. Parce que franchement, je sais pas à quoi sert cette cuillère. Aucune idée, hein, les gars. Aucune idée. Tant qu'on est ici. On va se faire quelques petits pansements. Voilà. Et là maintenant, il n'y a plus que des feuilles de cocotier là. Attendez, je voulais le péter celui-là. Ouais, mais je m'en fous si ça repousse pas celui-là parce que ce que je veux, c'est récupérer des... Comment dire?
Ce que je veux, c'est récupérer, voilà, les herbes sèches. En cassant les troncs de ces palmiers-là, on récupère pas mal d'herbes sèches. Donc c'est pour ça que je voulais le casser, celui-là. Pour être tranquille. Pour être tranquille. Bougez pas. Il y en a encore un petit là, là. Voilà. Voilà les gars, c'est bon. La petite hutte est terminée. Oh, ça a bougé là-bas, j'étais en train de me dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Donc la petite hutte est terminée. Bon, j'ai tout perdu de l'ancienne partie parce que bah voilà, je me suis fait avoir par les indigènes. Ils me l'ont bien mise, hein. Franchement, ils ont réussi à bien me la mettre. Bon, après j'en avais vu que trois, mais apparemment il y en avait quand même plusieurs sur les environs. Hein. Vous avez vu, hein. Je sais plus, il faudrait que je regarde la vidéo, mais ouais, j'en ai tué trois, il y en avait trois au camp. Et je crois qu'il y en a au moins un ou deux, voire trois, qui sont encore apparus par la suite pour pour me terminer, quoi. Il y en a surtout un à la flèche que, bah, franchement, le archer, je l'avais pas vu. Et j'en avais un dans mon dos qui me fightait encore. Donc, vous voyez, ouais, je crois qu'il y en avait encore trois supplémentaires. Ils étaient six au total. Donc, en bambou, en stuff bambou. Bon, c'est clair que moi, je suis un peu à la bourre aussi. Je pars pas beaucoup. Mais ils me l'ont mise, ils me l'ont bien mise. Puis j'avais pas assez de lance. C'est ça le délire aussi, c'est que vous voyez là, ouais, là au moins j'ai deux lances. Je sais que je peux en balancer une, ça fait déjà un mec en moins. Donc voilà, là c'est bon. Il va falloir se rééquiper correctement et tout refaire depuis le début. Mais bon, on est chaud pour le refaire. Donc bah les gars, voilà, malgré ce petit imprévu, bah, on est reparti en enfer vert, les gars. Donc bon, bah, là je suis vraiment tout au début, hein, vous voyez, premier camp qu'on vient de visiter. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai récupéré la map. Alors attendez, vous voyez, voilà. Le camp indigène, le portail, et là le camp cocaïne. Donc là on va se faire tranquillement, on va se remonter au nord pour essayer de récupérer le camp des pêcheurs, le camp bambou. Enfin, on va se faire le petit tour normal en récupérant un maximum de canettes. Comme ça on sera plutôt pas mal. Ça dès qu'on arrivera pour se poser soit au camp Anaconda, soit sur la nouvelle map. Et bon, on pourra directement se faire la forge pour se faire le stuff métal et après pouvoir se rebalader tranquillement. Ou alors, ouais, bah non, ici j'en ai pas assez, donc non. Faut au moins que je récupère une dizaine. Si c'est 3 métal par bras, 3 plaques de métal par bras, je crois. Donc vous voyez déjà, 3 fois 4, 12. Il en faut 12. Et après, si je fais encore du matos et tout, ouais, il va falloir pas mal de métal. Pas mal de métal. Donc, bah, les gars, laissez-moi des messages dans les commentaires si vous avez kiffé. Puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Donc, bah, portez-vous bien. Ciao, bye tout le monde.